La définition d'un tableau de proportionnalité concerne les lignes. Les propriétés d'un tableau de proportionnalité vont concerner les colonnes. Par exemple, je vois que sur la première ligne, pour passer de 1 à 4, je multiplie par 4. Eh bien, je vais effectuer la même chose sur la deuxième ligne pour les colonnes correspondantes. 3 fois 4 est bien égal à 12. Deuxième façon de travailler, je vois qu'en additionnant 0,5 plus 1, je trouve 1,5. Eh bien, je fais la même chose sur la deuxième ligne. J'additionne 1,5 plus 3 et je trouve bien 4,5. Autrement dit, j'additionne les deux premières colonnes pour trouver la troisième colonne.